2018 a été une année importante pour Jean Dujardin, surtout sur le plan personnel. En effet, le 19 mai dernier, le comédien a convolé en seconde noces avec l'ancienne championne de patinage sur glace Nathalie Péchalla. Une manière d'officialiser aux yeux de toutes leurs relations débutées en 2014. Rappelons que, depuis le 5 décembre 2015, Jean Dujardin et Nathalie Péchalla sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Jeanne. Déjà papa de deux fils adolescents, né de son union avec Gaël Demare, l'acteur a démontré récemment lors d'une interview à Psychology Magazine qu'il était confiant dans l'avenir de sa fille. « Je n'ai pas de stress à la voir grandir dans le monde d'aujourd'hui. Je sais qu'elle saura réagir, qu'elle sera forte comme sa mère l'a été très tôt. Et je suis peut-être un peu naïf, mais je garde une grande confiance en l'humain. » Point pour autant, le couple protège l'intimité de leur fille sur les réseaux sociaux, en ne publiant que très rarement des photos d'elle. Pour fêter le nouvel an, la famille s'est offert une petite escapade au bord de la mer. Et, chose rare, la petite Jeanne apparaît sur le cliché posté par Nathalie Péchalla ce mardi pour souhaiter une bonne année 2019 à ses followers. Toutefois, la fillette de 3 ans apparaît de dos, vêtue d'un long manteau rouge et d'un bonnet blanc. Pour accompagner la photo, Nathalie Péchalla a commenté, « Vinis tout chaser, note de la rédaction, soyez gentils les uns avec les autres, comme on dit ici. » Ce qui laisse à penser que le couple et leur fille se trouvent en Angleterre. De son côté, Jean Dujardin a publié lui aussi une photo sur la plage mais en solo. Un point commun aux deux clichés, un saut plein d'enthousiasme vers la nouvelle année.